système D, pour avoir une connexion Internet. Ce Decévrien utilise son portable en guise de routeur Wi-Fi. En extérieur, c'est là que je capte le mieux le réseau GSM pour essayer d'avoir la 4G. Donc après, je m'amuse à bouger. Alors la boîte, c'est pour protéger de la pluie si jamais il pleut. Et puis bah, après, voilà, on essaye de trouver le meilleur endroit pour le réseau. Il a été privé de réseau pendant 8 jours à la suite d'une panne. Problème, Olivier Michaud est en télétravail. L'outil de régule, t'avais tout terminé. Employé dans une mutuelle, il vit en pleine zone blanche, où il est déjà difficile de se connecter même quand ça marche. Et puis pourquoi vous mettez pas la vidéo là pour la réunion ? Alors en fait, parce que j'ai pas assez de débit internet ici, donc c'est soit l'image, soit le son. Je peux pas avoir les deux. Et sa récente période sans aucun réseau internet a eu des conséquences sur son travail. J'ai fait beaucoup moins de réunions du coup cette semaine-là. Et bon, ils ont été compréhensibles, bien sûr, dans le cadre où on travaille en ce moment. C'est normal, ça arrive qu'il y ait des coupures aussi, mais le problème était plus sur le délai de rétablissement. Alors, pendant ses pauses café, il interpelle par courrier son opérateur mobile pour obtenir des explications sans trop d'illusions. C'est vrai qu'à 5 km près, on a du simple au double, et voire plus. Et c'est tout le paradoxe. Alors que le télétravail est devenu la règle, la fibre, elle, ne sera pas entièrement déployée dans les Deux-Sèvres avant 2025.